Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo durant laquelle je vais vous présenter le top 3 des meilleures crèmes solaires. Je vous invite à jeter un œil à la description où vous trouverez tous les liens des produits et les meilleures offres du moment. Et sur ce, passons sans plus tarder au top 3 des meilleures crèmes solaires. En troisième position, nous avons la crème solaire de New Layer. Cette crème solaire est super puisque c'est une crème solaire écologique. Voilà, c'est quand même très important, notamment de favoriser ce genre de produit si on va souvent à la mer. Bon, si on va à la piscine, c'est pas très grave. Si on a une piscine chez soi, que c'est simplement pour bronzer dans son jardin, avoir une crème solaire de supermarché, c'est pas non plus très grave. Mais voilà, si on va à la mer, c'est quand même mieux parce que ça permet de protéger tout simplement les océans. Celle-ci est en effet sans microplastique, sans octocrylène, résistant à l'eau et respectueux donc de l'océan, puisqu'il n'y a pas non plus d'oxybenzone et de nanoparticules. Donc ça, c'est vraiment génial. Il n'y a pas d'allergène non plus, donc pour les peaux sensibles, c'est vraiment super. Ça va permettre de vous protéger à la perfection tout en étant résistant à l'eau et à la sueur. Voilà, c'est vraiment une crème solaire très haut de gamme, SPF 30. Donc c'est plutôt quand même pour les personnes qui ont déjà un léger bronzage. Pour les personnes très blanches de peau, il vaut mieux tourner vers un SPF 50. Mais voilà, franchement, c'est vraiment une super crème solaire qui va activer aussi votre vitamine D. Voilà, végétalien, cliniquement neutre. Donc ça, c'est vraiment super. Voilà, c'est tout simplement l'une des meilleures crèmes solaires qui existent. En deuxième position, voici la crème solaire Blue Lizard SPF 30, encore une fois. On a encore une fois ici une crème solaire de super bonne qualité. Blue Lizard est vraiment une super crème solaire puisqu'il y a des très bons ingrédients à l'intérieur, en fait. Extrait de thé vert, acide hyaluronique, de la vitamine E et de la caféine, ce qui va enrichir votre peau en plus de la protéger en fait. Donc ça c'est génial parce que pendant l'été, la peau est quand même abîmée par le soleil. Le bronzage, il faut le répéter, ça reste tout simplement le soleil qui abîme votre peau. Hein. Le bronzage, c'est une protection contre le soleil. C'est beau certes, mais en réalité, ça prouve que votre peau a été abîmée. Donc voilà, avoir une crème solaire, en mettre tout le temps, tout l'été, c'est très important. Et en plus, ce genre de produit comme celui-ci, ça va permettre d'enrichir votre peau avec des bons produits, des bons ingrédients, ce qui va garder votre peau saine malgré le fait qu'elle soit au soleil souvent et donc potentiellement abîmée. Il n'y a pas de parabène, il n'y a pas de parfum dedans, donc ça, c'est parfait aussi pour protéger l'environnement. Et en première position, voici la magnifique crème solaire de Sunbum. Comme vous le voyez déjà, hein, au design, on est vraiment sur une crème solaire haut de gamme. SPF 50 cette fois-ci, donc parfait, comme je l'ai dit précédemment, pour les personnes avec la peau très blanche. Voilà, après, vous pouvez évoluer vers du SPF 30 après quelques semaines d'été. Personnellement, moi, je recommande personnellement, si on a la peau blanche, de rester tout le temps sur du SPF 50. Hein, ça permet vraiment d'être protégé tout le temps et d'être sûr d'être bien protégé, surtout qu'on ne met jamais assez de quantité de crème solaire, hein, faut le savoir. Les tests sont toujours effectués avec beaucoup de crème solaire, donc il faut toujours en mettre un petit peu plus. Si vous avez tendance à ne pas vouloir en mettre beaucoup, voilà, SPF 50, c'est le top. Celui-ci est sans gluten, vegan, enrichi en antioxydants comme la vitamine E, testé évidemment dermatologiquement. C'est vraiment une crème solaire écologique avec des très bons produits à l'intérieur. Voilà, sans oxybenzone là aussi, donc ça va protéger bien évidemment aussi encore une fois la planète. Donc c'est vraiment super, sans parabènes ni BAPA. Ça n'irrite pas la peau, c'est sans danger pour les enfants. Voilà, c'est vraiment une super crème solaire très haut de gamme qui va complètement enrichir votre peau en plus de la protéger des rayons du soleil. Voilà, merci pour avoir regardé cette vidéo. J'espère vous avoir aidé à faire le meilleur choix. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air, un commentaire et vous abonner à la chaîne. Ça me fait chaud au cœur. Je vous le répète aussi, je vous invite à jeter un œil à la description où vous trouverez tous les liens des produits et les meilleures offres du moment. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.